Je le sais. La simple et unique raison que je suis très bien entendu. Pour toutes les personnes qui s'amuseront. Alors je me présente, Rick Boswell, ancien évadé d'Alcatraz. Celui qui a géré la pègre de New York et celui qui gère la pègre de Los Angeles et de Rockwood. Je dirige actuellement ces lieux. C'est une île paradisiaque qui a des allures de bel endroit où on peut y trouver la paix et le réconfort. Voilà tout. Écoutez, Rockwood est un état indépendant et comme tout état indépendant, il faut savoir assurer sa propre protection. C'est normal que j'ai des hommes et des gens qui travaillent. Il y a des gens qui défendent ce pays, il y a des gens qui travaillent pour ce pays, il y a des gens qui font des métiers tout ce qu'il y a de plus légal, des gens qui vendent des fruits et des légumes, qui cultivent les terres, qui construisent des bâtiments, et il y en a d'autres qui assurent la sécurité, tout simplement. Il y a de tout. C'est une assez longue histoire. Vous savez, malheureusement, dans le monde occidental d'aujourd'hui, les gens qui connaissent la vérité sont des gens opprimés. Le problème, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse opprimer assez facilement. Forcément, j'ai déclaré certaines choses et j'ai avoué certains secrets que le gouvernement ne voulait pas forcément que je dise. C'est ce qui m'a valu ce genre de choses. Alors oui, évidemment, je sais ce qu'on me reproche. Terrorisme, trafic d'armes, trafic de drogue, escroquerie, fraude. Enfin, ce que la criminalité peut impliquer, on me l'a reproché. Mais en vérité, la seule chose que j'ai fait qui dérange le gouvernement, c'est d'avoir juste dit la vérité. Voilà tout. Tout part d'un principe de... De transparence, Daryl. De transparence. Ça. Et c'est ce qui vous a valu d'être... D'être most wanted, j'allais dire même par plusieurs états, pas que celui de Californie. Oh. Écoutez, c'est le prix à payer pour vivre librement. Et si c'est le prix que je dois payer pour être un homme libre, eh bah écoutez, c'est très peu cher payé. Vous savez, les gens ici ne sont pas là... de force, des gens qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur foyer pour venir ici. Ils estimaient qu'ici, au moins, aucun secret ne leur sera divulgué. Je suis là pour tout transmettre, les secrets de Los Angeles, les secrets du monde, et les secrets d'ici. Et lorsque vous avez des citoyens qui connaissent chaque secret des terres qu'ils habitent, forcément, il y a beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de criminalité, beaucoup moins de rébellion. Vous savez ce qui est drôle ? Daryl, j'ai lu le papier que vous m'avez envoyé. Comme quoi, le gouverneur de Porto Rico était en train de me raconter des histoires, comme quoi j'étais un criminel de pacotille, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces provocations futiles. J'ai des choses à faire. Je suis un homme d'État aujourd'hui et je dirige cette île d'une main de maître. Alors, commencer à rentrer dans une guerre d'égo mesquin avec de vulgaires enfants ne m'intéresse pas. Mon État est indépendant, le sien ne l'est pas et sous la joute des États-Unis d'Amérique. Donc, ça ne me cause pas trop de problèmes. Le gouvernement de Los Angeles et le gouvernement des États-Unis d'Amérique est en train de dialoguer et de parler avec mon île depuis maintenant quelques semaines. Nous avons plusieurs sujets sur la table, dont l'économie, dont les ressources naturelles que je dispose. Et forcément, nous y sommes venus à la conclusion qu'il fallait échanger, que ce soit nos peuples et que ce soit en même temps nos ressources. Disons qu'il y a certaines personnes qui essayent de nuire à ma réputation en faisant de vulgaires tweets ou de vulgaires... actes en se faisant passer pour quelqu'un venant de mon île. La problématique est que je sais tout. C'est peut-être la plus grande qualité de mon île, Daryl. Lorsque je veux savoir quelque chose, je le sais. La simple et unique raison que je suis très bien entouré. Pour toutes les personnes qui s'amuseront à se faire passer pour moi ou se faire passer pour quelqu'un qui vit ici, je leur souhaite bon courage. Parce qu'on ne s'attaque pas à des personnes de ce calibre comme ça. Je ne suis pas du genre à menacer, mais je vous trouverai. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir me dire lorsque vous serez tous face à moi. J'ai que les personnes qui veulent se faire passer pour moi alors qu'elles viennent. Si vraiment ça les intéresse de se faire passer pour moi ou pour quelqu'un qui vit ici, alors qu'elles le deviennent, je vais lui ouvrir les portes de force pour que la personne puisse s'exprimer et qu'on puisse entendre pour quelles raisons il a proféré ses actes. Écoutez, si les États-Unis d'Amérique ont envie de poser un porte-avions non loin d'ici, qu'il en soit ainsi. Maintenant, si ça peut nous permettre de trouver une zone de dialogue, là où les gens pourront ranger leur misérable ego, tant mieux. Je suis un homme de dialogue, même si certains peuvent me traiter de psychopathe sanguinaire ou de meurtrier, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Mais lorsque je dis quelque chose, chaque mot va compter. Chaque phrase, chaque intonation, chaque façon de parler, chaque expression que je vais utiliser, tout doit être pris en compte. Les personnes qui ne sont pas capables de déchiffrer chaque mot que je suis capable de prononcer comprendront les choses à moitié et feront de moi leur ennemi. Ha ha ha.
Vous êtes fort, Daryl. C'est bien les mots accrocheurs, les titres, ce genre de choses. C'est ça qui vous intéresse. Pouvoir mettre des grands slogans sur vos journaux. Vos journaux, pardon. Je vais vous répondre. Aucun gouvernement n'est mon ennemi. Simplement parce que je pense que j'ai atteint un stade où les ennemis sont plus dangereux. Et je considère quelqu'un comme mon ennemi à partir du moment où il est dangereux pour moi. Et le problème, c'est que je ne considère actuellement personne comme dangereux pour moi. Donc, que ce soit Monsieur le Président, à qui je passe le salut, que ce soit au gouvernement de Puerto Rico, ceux qui souhaitent être mes ennemis, qu'il en soit ainsi. Mais je leur souhaite bon courage, parce que même le diable ne voudrait pas avoir Rockswood comme ennemi. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner assez de nourriture pour faire des millions d'articles. Ce qui est Underwood est actuellement atteint d'une maladie incurable. Alors j'ai contacté le Labo Human, qui est actuellement un des seuls laboratoires scientifiques qui est capable d'observer et de traiter ce genre de virus. Je les ai rémunérés pour pouvoir avoir accès à deux de leurs machines. Le Labo Human est une entreprise de propriété privée. Et j'ai autorisation d'un accord avec moi et Monsieur le Président d'avoir accès à l'espace aérien des États-Unis d'Amérique. Alors mes hommes se sont rendus au Labo Human par voie aérienne. Ils ont atterri sur une propriété privée et se sont servis avec le Labo Human comme je l'avais conclu avec eux. Une fois terminé, les forces de l'ordre nous ont aperçus et nous ont braqués comme de vulgaires animaux. Suite à de nombreuses négociations, les forces de l'ordre sont arrivées à la conclusion que nous devions débrancher la chère Chucky qui était actuellement pas en état de faire quoi que ce soit. Donc, nous avons dû extraire mes hommes ainsi que la petite Chucky qui est actuellement dans un état compliqué. Au vu du fait qu'elle a été débranchée de ces machines. Donc, j'emporte à la responsabilité du LAPD de ne pas avoir respecté les propriétés privées de ces scientifiques. Tout simplement. Super fun. Ah oh non. Tu vas monter devant Bella? Ok. Non, non, c'est cool. Attachez-vous tous. Attaché. C'est bon? Ouais, on peut pas dire que je suis vraiment attaché, mais bon. Moi, je suis bien attaché. T'as les sangles sur ton ouais, côté ouais, gauche. T'inquiète, je tiens avec ma main, quoi. Bonjour et bienvenue dans Rockswood Airlines. Aujourd'hui, criez bien, criez bien. Vol en direction de Grapseed pour récupérer. Là, tu vas pas vraiment vers Grapseed, mais là, tu vas en direction pas du tout Grapseed. Pourquoi il nous a dit de la fermer d'un coup là? Il voulait se concentrer pour l'atterrissage. Non, non, en face, c'est Camacho. C'est les Black Bart, les gars, et on paye pour être là. Okay. Vous allez bien? Bah, nickel. Ah, moi, vous avez pas vu les Black Bart. Bella a parlé, hola. Etc. C'est elle qui s'occupe de ça, c'est son métier. Le reste, vous restez masqué, vous êtes armés, mais vous faites les gardes, ok? Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Oh là! Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, super. C'est les hommes de Monsieur Broxel en face ou c'est vous qui attendez Monsieur Broxel? Non, non, on est tous les hommes de Rick. Ah, ok, parfait, parfait, nickel. Bah écoutez, là Warren est en train de regarder un peu la zone. Non, si moi, y a camion, de... pas de... Allez, puis dire aux alentours. Si, pas de sortie, on est en train de parler avec les Babbats. Ouais, mais du coup, on est juste venu récupérer une cargaison de fauteuils roulants. Des fauteuils roulants? Oui, pour mon hôpital. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, seigneur. Non, c'est bien, bah écoute. Eh oui, oubliez pas, si vous êtes blessé un jour, hein. Qui sait? Attends, c'est vous? Attendez, parce que j'ai la dernière fois que j'ai eu quelqu'un. Me prenez pas pour une EMS de Los Angeles, hein. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ok, bah si je peux me permettre de prendre votre numéro, parce que il me semble que je l'ai pas enregistré. Bella, parfait. Mais ça veut dire que si on est blessé, on peut venir directement sur Rockswood? Non, non, non. L'avion a décollé, il arrive dans 5 minutes. Parfait, merci Madame Bella. Non, en gros, si l'un de vous est blessé par balle et qu'il peut ne pas être emmené à l'hôpital ou quoi, oui. D'accord. Lors de grosses interventions, vous comprenez. Camas.
Dites-vous que si votre je sais pas comment vous l'appelez chez vous par les fans. Votre chef, je vais appeler ça comme ça. C'est chef de famille. Le XLS là-bas, là. Imaginons vous êtes blessé par balle et il faut vous évacuer et qu'ils ont réussi à vous extraire. Vous pouvez venir, vous m'appelez, je pourrai vous soigner. Je vérifie juste si c'est bien. Ah, si, c'est bien. Voilà. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Bah écoutez, on va rester comme aux alentours, on sait jamais si vous avez besoin. Pas de soucis. N'hésitez pas. De toute façon, on récupère la cargaison et après on y va. Tout le monde est là? Ok, ça marche. C'est bon, c'est okay. Moi, je suis là. Ok, je veux chaque équipe à un point stratégique pour surveiller l'aéroport, qu'il n'y ait personne qui vienne, d'accord? Ça marche. On va pas rester sur zone. Okay. Allez, c'est tout bon. Allez, ça marche. Bonne soirée. Merci à vous. Gracias, vous aussi. Attendez Bella, décollez pas de suite. Mais pourquoi tu fais pas qu'on décharge? Eh oh, il a resté deux trois au fond. Toi tu prends la mule? Moi je suis juste, ouais, je suis juste. Ok, mais qui prend l'avion? Personne qui prend l'avion, c'est le pilote qui prend. Ok. Bah je sais pas, mais. Monsieur le pilote, vous laissez l'avion? Le pilote lui reprend pour repartir maintenant. Tant mieux, parce que sinon on est pas dans la merde. Le pilote il se recasse avec, vous prenez la mule et vous mettez une escorte avec l'hélicoptère jusqu'à en dessous. Je vais mettre là du coup. Je l'ai pris parce que j'ai un fusil à pompe, c'est facile. Si tu fais attention, c'est clair en haut. De toute façon, je passe par le tunnel, mon chiliote. Même chemin qu'hier. C'est pas le même chemin qu'hier. Hein, c'est... Enfin, je passe pas par le petit passage. Et jusqu'à la base. Et bon, on est sur le pont. Ah, y a un héliport, hein, tu te gares à côté, toi. Je le pose où il a été mis. On va les déposer à l'entrée, là, juste là, Nikita, les assistants vont les récupérer. Ok. Incroyable. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, chauffeur, c'est tout. Chauffeur, j'ai monté. J'ai pas besoin de descendre, du coup. Chauffeur, j'ai besoin d'aide, c'est pour ça. Action. Bon, c'est qui les hommes en noir, là? Je sais pas, ils sont présentés, Léon, je sais pas quoi, ils sont démasqués, du coup, maintenant. Léon? Ouais, mais je crois que c'est des petits nouveaux. Ok. Il serait possible d'avoir un contact de chez vous, K.O.? On a mon numéro. C'est quoi ça? Prenez le numéro de Silver et de Purple. Je pense que vous allez. Là, ils vont taper quelque chose, ce que tu le t'as une heure du matin, mais en tout cas ce temps-là, ils vont faire quelque chose. Ouais, ils vont faire ce que on doit faire. Ibrahim, c'est Purple, c'est ça? C'est eux, Purple. Les gigs. Nickel. Ouais. On va voir ce qu'ils veulent. Vas-y, monte, tata. Le
Vas-y Nikita. Sur moi. Mais oui, oui, ben. Pas la frontière, nous. Je sais qu'à une époque, à l'époque de New York, c'est lui qui gérait. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment lui encore. J'ai un pied dedans de base, Miami. Bonjour à tous. Oh là. D'habitude, vous traitez avec Jig, hein, c'est ça? Avec? Avec Rick directement. Avec Rick, quoi. Avec Rick, ouais. Ouais, avec Rick. C'est ce que j'ai dit, ouais. Là, non, j'ai dit Rick, c'est parce que j'ai un sur la langue. Okay. Vous avez combien là? Là, j'ai 280 000 dans mon coffre. Ok. Voilà. Et après, Ricky m'a dit qu'il fallait qu'on attende 48 heures, donc les personnes sont au courant et que ça arrivera lundi, quoi. Ok. Bah, je vais te laisser dealer la mallette. Je vais la chercher, j'arrive. Ricky est au courant, donc il est occupé, donc c'est moi qui gère. Ouais, y'a pas de soucis. Ça va sinon les Black Bart? Au calme, comment ça me dit? Là, c'est des nouveaux, là, je les ai emmenés pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Je te donne ça. Voilà, porte la mallette. Oui. Quoi qu'il arrive sur leur argent, tu la gardes et tu leur dis qu'ils vont traiter ça et qu'ils reviennent là. Il serait vérifié, mais normalement il y a 280 000 taureaux. Pas de soucis. Il a dit combien de temps, Rich? 48 heures. Il a dit 24? Ah, bah la dernière fois il m'a dit 48. Ah, ouais, écoutez, là, bah, 24, vous aurez un coup de fil demain ou après-demain. En fait, ça dépend de la somme que tu nous ramènes, je pense. Ah, ok, d'accord. Ok, ça roule. Bah, la dernière fois, je lui ai donné la même somme, il m'a dit 48. Donc, ouais, mais disons que bah, si tu nous ramènes un million, ça va pas durer 24 heures, quoi. Ouais, bah écoutez, de toute façon, j'ai dit 48 heures. Si ça arrive avant, tant mieux. Si ça arrive à 48 heures, c'est parfait. Ok, voilà. Tout est bon pour moi. Nickel. Bah, ok, votre numéro, il vous contactera pour si, le. Si c'est pas indiscret, il y avait quoi dans le convoi? Bah, je me permets, hein, quand même. C'était à mon aéroport. Si je te le dis, tu croirais pas. Des fauteuils roulants, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à vos gars. Ouais, des fauteuils roulants, arrêtez de mentir. Vous allez pas me dire. Tu remets en cause notre parole là ou je rêve? Mais vous allez pas me dire que j'ai protégé des fauteuils roulants quand même. Et t'as protégé des fauteuils roulants? Je ne mens jamais et ah ouais, c'était des fauteuils roulants pour. Ok, je vous crois. Ça marche, des fauteuils roulants. Ok, super. Il faut savoir qu'il y avait une pénurie de fauteuils roulants dans toutes les États-Unis, enfin en tout cas San Andreas avec Los Angeles. Ok, et ok. Et Rockswood c'était également le cas parce qu'on se fournissait à Los Angeles. Ok. Maintenant, quand tu vas te briser un genou, ton petit cul sera posé sur un fauteuil. Ok, excusez ma curiosité, je me suis permis de demander. Bah merci à vous en tout cas. Littéralement pour mon hôpital, pour le coup je n'ai pas mal à l'hôpital. Ça serait quelque chose de plus indiscret, on t'aurait pas répondu. Oui, je me doute. Et allez, regarde Toto, je suis affilié, ça y est. Pas de problème. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah bah tiens, regarde, une solution différente pour monter dans une voiture, tu kiffes ou pas? Oh, par contre, désolé seigneur, on n'a pas fait de cargaison d'attel, alors évitez de vous péter la main. Ah, je suis solide, t'inquiète pas. Bah de toute façon, vous nous appelez si vous avez une cargaison d'attel à protéger. Hein. Oh, ça sera. Fauteuil roulant, c'est déjà bien assez. Allez, super. Je rêve que vous ne courez pas pour les fauteuils roulants, c'est une dinguerie. Non, je vais le faire. Non, t'inquiète, moi, j'ai pas de problème. Vas-y, bah, je m'occuperai d'être tiré sur le côté. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah. Et ils ont été choqués, ils nous ont. Ouais, on sera en hélico, nous, on sera là. Juste là, en cas de surveillance, ça part en couille, on se part. Okay. De toute façon, on a un hélico furtif, on va prendre juste de la hauteur. On peut. Du coup, c'est bon, nous, on peut aller en hélico déjà. On va aller. Elle monte. On s'allie quoi. Cavalcade, Ripley, pardon. Et c'est tout. Ah bah il est pour toi l'astron. Ouais.
Ils sont à l'arrêt. Le convoi s'arrête. Le convoi se fait péter, je crois. Ouais, le convoi se fait péter. Juste en dessous du Eagle's Motor. Et une deuxième unité. Il y a une unité qui vient de se rajouter au convoi. Oh là là, j'en ai vu des flics, hein. Alors les flics qui s'arrêtent en plein milieu des groupes pour sortir de leur véhicule et commencer à braquer. Meilleur moyen de se faire péter bêtement. La frontière est libre ou pas la frontière? Ça. Bah non, on est bloqué à la frontière, c'est rien qu'on... Bah rendez-vous à Rockshood, messieurs. On peut descendre. Ça s'est bien passé pour eux. Là, en tout cas, ils sont toujours en négociation, mais ils vont pas tarder à repartir avec les véhicules. Tu peux arriver. Ça marche. Ouais, tu peux gêner. J'arrive. Bonsoir, messieurs. Oula, oula. Comment vous allez? Ça va, vous? Ça va, dites-moi. On est venu voir Rick. Pour? On devait être missionné ce soir, c'est les magies. Ils ont parlé à peu près sur quoi ils voulaient vous missionner ou pas du tout? Non. Et d'ailleurs, hier, on a eu un rendez-vous, mais on n'avait pas lâché le numéro de Dark Chat ou je sais pas quoi. Rendez-vous de... On a eu un rendez-vous hier. Enfin, un rendez-vous de... Tu te racontes quoi? Ah, mais oui, oui, par rapport à la weed. Ouais, mais du coup... Là, de base, on devait être missionné pour... avoir accès à la blanche si on réussissait la mission, tu vois. Ok. Je vais voir avec, lui et prends mon numéro au cas où. Vas-y, je vais l'appeler et je te redis. Vas-y, pas de soucis. Enfin, messieurs, petite question, êtes-vous armé ou pas du tout? Oui. Ok, parfait. Une seule. Je vais te laisser. Je vais. T'inquiète, t'en auras pas besoin de 40. Je te laisse faire un demi-tour. De toute façon, j'ai ton numéro. Je vais te recontacter pour t'expliquer à peu près les détails de la mission. Il va juste falloir que je prépare et que je m'informe moi de mon côté. Une fois que j'ai toutes les informations nécessaires, je t'envoie tout. Ok? Ok. Parfait. De toute façon, j'ai ton numéro et je te contacte dès que tout est bon. C'est... Comment dire, t'auras toutes les infos ce soir ou demain ou... Oui, 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 oui. Vraiment dans... Je pense 10 minutes grand max, j'ai toutes les infos. Et prépare-toi, je pense dans 20 minutes, t'es en mission. Ok, il y a un délai ou pas? Pas vraiment de délai, mais disons que à partir du moment où je te donne la mission, tu l'exécutes et tu le fais et tu reviens. Ok, parce que là, je t'avoue... vas-y, on va se débrouiller, vas-y, ça marche. Pourquoi? Ah, parce que tous mes gars là ils sont fait un petit retour au Salvador, t'as eu samedi, tu connais. Oui, de toute façon, si je te missionne, c'est pour un petit truc tranquille, t'inquiète. Vas-y. Ça va pas être un truc où il y aura l'armée ou quoi, t'as eu. Vas-y, ça me va. Vas-y. Vas-y, je te contacte dès que j'ai toutes les informations. Vas-y. Pourquoi tu veux aller sur Palais-toi? Prendre un véhicule, je viens de te le dire. Mais tu vas là à côté? Et c'est tous les véhicules sont fermés. Et où la purple? Parti faire ma fashion. Et où exactement? De la petite colline en face qui donne volume. Vas-y, monte, Nikita. On va aller la rejoindre là. Ok.
Ouais, c'est bon, je te vois. Vous êtes où? Je suis en éolien. Levez vos mains, non, levez vos mains. Reste là, toi. J'ai pas envie de te tirer dessus. Bougez. Garçon 3, 2, 1. On est à la fin. Précise-moi pile la somme parce que j'en ai sur moi là. 280 000. 580 000. 280 000. 280 000. Toi. Nikita, tu commences à prendre le pas là, tu commences à prendre le pli, hein. Ah bon? Bah elle est où leur bagnole? Ouais, je crois, merde, hein. J'avoue, elle est où leur bagnole? Bah elle est censée arriver. Il arrive, t'inquiète. Allez, là, ils arrivent. Bébé, deux missions de fusil à pompe. Ouais, moi, je te dois rien du tout, commence pas à me péter les couilles. Il m'a dit, le Rebla, il est là-bas. Vous deux. Il est sans surveillance, je l'amène en ligne. Qu'est-ce que t'as envie de va te faire enculer. Ouais. Tu veux des balles, tu vas t'y chercher. Et à te casser les couilles. Tu vas me donner mes balles. J'ai du putain, mec, c'est pas pour autant que je te demande des balles, trop du cul. Tu vas me donner mes balles. Votre plafond, oui, mes balles. Dans tes rêves, tu vas avoir tes balles, petit con. Tu vas voir que je vais les récupérer, mes balles. Tu peux rien faire. Des trucs qui vous intéressent, Poa et Gabriel en particulier. Sens où on va commencer à développer du trafic d'organes en ville. Parfait, ça. Donc, le moment où ça arrivera, c'est-à-dire très bientôt. Je laisserai vous en occuper, c'est pas trop ma cam. Ok. Tu peux laisser la propriété ouverte de toute façon. Okay. Le coffre il est accessible que avec les clés. File-moi un trousseau de clés juste pour les coffres, pas pour changer quoi que ce soit. C'est tout bon? Ouais. Là, je t'ai mis tout ce que tu peux pour faire l'échange. Alors, je t'explique. Tu lui expliqueras, vous prenez 10%. D'accord ? Okay. En gros, si tu vois les liasses de billets, là, il y a 280 000. Vas-y, bonne nuit, tout le monde. Okay. Demain. Donc, tu lui rends l'équivalent en argent propre avec moins 10%. D'accord ? Ok. C'est tout. Donc, pour l'instant, l'argent, elle va se faire traiter. Et puis, demain, on fera les échanges quand ils viendront de voir. Puis, je te présenterai à eux, etc. D'accord. Ok. Ouais. Et tiens, du coup, filez un. Je vais même t'enfiler plusieurs, attends. Les compteuses de billets, c'est pour vérifier ton argent, d'accord? Ok. T'as juste à l'avoir sur toi et l'utiliser. Ok. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Nickel. Je te laisserai expliquer ça à Gabriel, et puis s'il a des questions, tu le renvoies vers moi. Ouais. Allez, viens. Là où tu dors? Ouais, c'est la maison de papy. Je sais, dans quoi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Nikita. Thank you.